On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous passerez 2h en compagnie de Claude Sarraute, Christine O'Krent, Maman, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Pierre Bénichoux. On ferme son journal, Pierre Bénichoux, c'est trop tard pour réviser maintenant. On ne révise pas, je jette un coup d'œil. Un point, c'est tout, voilà. Vous n'avez pas écouté les infos ce week-end? Si, j'ai écouté les infos, je sais tout. Je voulais voir le traitement qui en avait été fait dans certains journaux populaires, voilà, c'est tout. Vous avez eu un week-end sportif, j'espère, vous avez regardé le football. J'ai un week-end sportif, oui, j'ai regardé le football. Le rugby. Je suis allé manifester pour les femmes battues. C'est pas vrai. Non, je ne suis pas allé, j'ai trouvé cette manifestation assez antipathique. Pourquoi ? Pourtant, Dieu sait, que la condition des femmes battues et l'indulgence dont ça fait, que ça provoque en France et qu'elles sont des choses absolument inacceptables et que c'est un combat de tous les jours. Mais... Et je sais tout ça, mais cette manifestation me semblait pas très sympathique. Mais voilà, pourquoi ? Un point, c'est tout. Pourquoi ? Parce que c'est pourquoi comme ça, c'est Nadine Trac. Vous Nadine pourriez m'être sympathique, vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Bon, là, je suis d'accord avec toi. C'est une chose qui n'était pas très sympathique. Maman, j'ai senti planer sur l'hôtel de ville un noir désir de vengeance. Hein, ce voilà, c'est très bien. Mmh. Et c'est très bien. Quand à notre avis, le comte, alors qui est allé, qui a dit, j'ai honte d'être un homme. J'ai honte d'être un homme, il disait le comte. Quand je vois ce qu'on fait aux femmes et tout. C'est pas lui à la maison qui fait tellement la loi, d'après ce que je sais. Enfin, écoutez. Non, mais sérieusement. Non, mais tout ça, t'as peur. Je dirais à Patrice Lecomte de vous répondre quand il viendra cette semaine ou la semaine prochaine. Patrice, ah mais vous le connaissez? Oui, je le connais, oui. Non, vous avez l'air de mauvaise humeur, hein, Pierre. Non, pas du tout. Cette manifestation m'a un peu embêté, quoi. Moi, elle m'a pas embêté du tout, mais ce que je trouve absolument dégueulasse, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement contre les hommes victimes de leurs femmes. Ça arrive tout le temps. Non, mais je ne plaisante pas, là. C'est un sujet complètement tabou dont on ne parle jamais. Et j'ai eu encore l'occasion pendant le week-end d'entendre parler d'un homme terriblement humilié, blessé physiquement. Le président? Bon, on peut passer aux questions, peut-être, plutôt que, franchement, passer de... C'est un sujet difficile. Et de quel sujet? Non, celui que Pierre Bénichoux a lancé avec sa profondeur. On va peut-être pas attaquer par là. Non, et puis... mais c'est intéressant quand même de savoir que les hommes battus, il y en a, c'est sûr, mais enfin, c'est une minorité, c'est tellement... moins qu'une femme battue. Tu ne crois pas lancer un machin, non. Il est évident que féministes ont raison dans 99 cas sur 100. Mais là, je trouve que c'était antipathique. Regardez-le, je me suis permis. Mais non, c'est un vieux truc à la con. Les hommes aussi sont victimes et tout. C'est des bêtises. Attention, on va avoir une femme battue là tout de suite. Un homme battu. Mais oui. Au lieu de râler là, au lieu de commencer à vous engueuler. Mais non, il lui fait sa cour. C'est bien comment ça se passe plutôt, le lundi. Plutôt saluer le retour de Maman parmi nous, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Qui est revenu grâce à l'arche de Zoé. Je suis seul. Moi, j'ai pu revenir parce que sur moi, on a pu faire le test ADN. Parce que les autres, on ne sait pas s'ils sont refaits l'un ou pas. Quelle histoire? Je comprends rien, cette histoire. On a du mal à suivre. On ne sait pas grand-chose de l'histoire. On a réussi quand même en France. Les journalistes ont réussi à cerner un peu la personnalité du patron de l'association qui s'appelle pas l'Arche de Zoé, mais Children Rescue. Ça enfin, qui se rescue. Faisait. L'un des nombreux problèmes de l'histoire, c'est que cette association utilisait au Tchad une autre appellation. Tout ça n'est pas très net, quoi. Il semblerait qu'il aime bien être héros, un peu Zorro, et que même s'il n'y a pas de combat, il aimerait bien être un autre combat. Et il semblerait que la moitié des enfants ne sont pas du Darfour et du Tchad, oui. Et que beaucoup et de ces enfants ne sont pas des orphelins. Et qu'ils sont en bonne santé et qu'ils portent des faux bandages. En même temps, moi, quand j'ai adopté Stevie, je me souviens, je ne savais pas trop d'où il venait non plus. De la plaine Saint-Denis. Hein, Pierre, regardez ce qu'on en a fait de ce gamin.
Hein, c'est qui va jouer... lui, mais il a tellement grandi. C'est qui va jouer au théâtre bientôt. Ah. Non encore. Où est-ce que vous allez jouer, Stevie? À la Grande Comédie. C'est où ça, la Grande Comédie? 40 rue de Clichy, un peu plus haut que le Casino de Paris. Ah, dans le quartier de... Ah bah ça alors, bah ouais. Je connaissais pas ce théâtre, la Grande Comédie. La Grande c'est Comédie, ouais, c'est un théâtre qui est récent, c'est en 2006, je crois qu'il a ouvert ses portes. Et qu'est-ce avant, que tu vas jouer banque. Qu'est-ce que tu vas jouer le ah, vous jouez dans une ancienne banque, ça m'étonne pas de vous ça. Non, mais tu sais que c'était impressionnant parce que bon, j'ai visité bien sûr le théâtre et il y a encore, tu sais, le tour de garde. Tu sais qu'il y avait le coffre-fort et autour du coffre-fort de la banque, il y a un espèce de couloir qui fait tout le tour et il y a que des miroirs. Ça veut dire que le garde, il est assis à un endroit, mais il voit tout ce qui se passe dans le couloir. T'es torse nu sur l'affiche, ouais, tu joues à découvert quoi dans la banque. Ouais, je suis légèrement déshabillé, ouais. Il y a combien de places de spectateurs? À peu près 400. 400, ah oui, donc c'est oulala. On a hâte de venir vous voir, ça commence. Bah ouais, on va faire le 6 novembre. Le 6 novembre. Vous irez tout bah, tiens, bien sûr. Ah ouais, vous venez me soutenir les amis. Bah, ah, j'ai peur. On attendra octobre pour être sûr. Tu commences nu ou pas? L'année prochaine. Non mais vous commencez nu ou vous déshabillez non, peu non, à peu? Non, c'est progressif. Oui, c'est progressif. Dis-leur, chérie. Donc on vient à la fin alors. Écoute Christine, c'est une pièce qui a été écrite pour lui. Wow. Autour de lui. Ah, mais par qui? Par Loana, c'est Loana qui a écrit. Bon, enfin, j'ai des questions un peu plus sérieuses à vous poser. Vous êtes prêts? Attention, Stevie est à la cymbale. Il en fallait 500, il en faudra peut-être 100 000. Quoi donc? Des masques à gaz. Des masques à gaz, pourquoi faire? Il y a un rapport avec l'invité hier soir sur Europe 1 du camarade El Kabach. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ancien Premier ministre Balladur sur la réforme des institutions? Et pourquoi il a besoin d'un masque à gaz? Non. C'est des signatures? Bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Et oui, 500 signatures, il fallait pour être président de la République, si... Les propositions adoptées par Édouard Balladur sont acceptées. Il faudra 100 000 électeurs, un collège de 100 000 élus et électeurs, donc, qui décideront de qui sera candidat ou pas. Donc, il y aura moins de candidats. Principe. Attendez, mais il y aura une chose, c'est que, est-ce que le quota de 500 signatures d'élus restera obligatoire parmi les 100 000 ou pas? Vous avez compris ma question? Non. Ah, elle est, non. Elle est subtile, 500, mais fondée. Il fallait 500 élus. Oui. Avant, pour pouvoir avoir le droit d'être président de la République, d'être candidat. Enfin, d'être candidat. Maintenant, il faut 100 000. 100 000, évidemment, il ne s'agit pas d'élus, il s'agit de 100 000 personnes prises dans la population française. Est-ce que parmi ces 100 000, il faut toujours 500 élus? Parce que c'est plus facile d'avoir 100 000 personnes que 500 élus. Ben là, ils disent un collège de 100 000 élus. Ah, non, 100 000 élus. Oui, de 100 000 élus. J'espère qu'il n'y a pas 100 000 élus en France. Mais bien sûr que si, avec le nombre de communes. Si. Avec tous les candidats à la Star. Il y a énormément d'élus. C'est le pays d'Europe où il y a le plus d'élus et le plus de maires et de conseillers municipaux. Oui, donc ça veut dire que les maires adjoints, etc., ils pourront signer aussi. Tout le monde pourra signer. Ils passent, on peut déjà. Mais est-ce que 100 000 élus... Non, mais comme tu as 38 000 communes, il faut avoir au moins 2 ou 3 signatures par mairie pour arriver au compte. Ah, c'est beaucoup. Vous oubliez les députés, vous oubliez les sénateurs. Moi, je parle au niveau communal. Hein. C'est facile d'en trouver 100 000, croyez-moi. Non, c'est entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a 1200 personnes. Ben oui. Bon, et après ça, il y a 30 000 communes. Mais puisque le but, c'est qu'il y ait 38. Moins de candidats, 38. Autant effectivement faire que le critère soit le plus difficile à remplir. Autrement, je ça sert à rien. Je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'élus, ça doit être très assoupli, la notion d'élu, très, très diluée. Autre question, si vous le voulez bien. Ah, elle est assez facile. Celle-là, elle est pour Christine Ockrent, vous allez voir. Si. Merci. Où peut-on remplacer le mot népotisme par nestorisme? Oh, en Argentine. Bonne réponse de Christine Ockrent. Voilà. Allez, elle répond vite, Christine. C'est bien, Christine. Merci, Laurent. Expliquez à Claude Sarraute. Mais non, mais je sais, c'est la jeune femme qui l'a mis à sa place, 44 ans. Mais d'abord, il a pas mis. Non, d'abord, elle a 54 ans. Ensuite, il l'a pas mise à sa place. Elle a été élue. C'est une femme qui fait de la politique depuis 40 ans, comme son mari Nestor, d'où l'astuce j'ai compris, de notre ami. Mon chéri, mais j'explique. Aussi. D'où le mot nestorisme, parce qu'évidemment, c'est son mari qui l'a un peu quand même poussé à être candidate. Il ne va pas. Il faut peut-être quand même expliquer le mot népotisme que tout le monde ne connaît pas pour autant. Le népotisme consiste à favoriser quelqu'un de sa famille dans l'accès ou l'ascension dans certaines fonctions. D'où ce jeu de mots de la presse. Pourquoi ça s'appelle népotisme? Ah,
Comme en Pologne. Parce que c'est la racine latine de neveu. Voilà, et nestorisme, parce que Nestor est le prénom de l'ex-président de la République argentine, qui donc a laissé sa place à son épouse. Est-ce que vous avez tout suivi, Stevie, là ? Absolument. Bon, alors rappelez les mots. Alors, néponisme. Népotisme. Ah, dis donc, hein. Je savais qu'il avait pas retenu. Ici, népotisme. Népotisme, ça vient du mot neveu en latin, qui veut dire favoriser un membre de sa famille pour accéder à un poste important, voilà, par relation, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Bravo. Bravo, Stevie. Ah, je suis qu'à moitié blonde. Non, n'applaudissez pas non plus, faut pas déconner. On venait de le dire, quand même. Troisième question pour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est d'accord quand on est ensemble et qu'on a des avis différents quand on est seul. De quoi parle-t-on ? On est d'accord quand on est ensemble et on n'est pas d'accord quand on est seul. J'ai l'impression qu'on est d'accord quand on est ensemble et qu'on a des avis différents quand on est seul. C'est à propos de la grève. D'accord sur quoi ? C'est pas à propos de la grève. C'est en France. C'est en France. C'est un rapport dans un couple ? Non, pas du tout. C'est de la politique ? C'est pas de la politique du tout. C'est du sport. C'est les joueurs du PSG ? Non. C'est le tennis. De Marseille. C'est le tennis. C'est du tennis. Alors expliquez. À Lyon ? Du tennis à Lyon. Non, ben il y a eu un tournoi à Lyon. C'est vrai, ouais. Gagné c'est pas à Lyon alors. Grosjean, mais c'est pas ça. C'est la Coupe Davis. C'est lié à la Coupe Davis. Et c'est il va pas très bien le Forget. Oui. Parce qu'il n'a pas de bons résultats. Oui. Il va être reconduit, mais enfin on dirait qu'il pourrait être alors à part ça, je sais pas. Là, on est bien avancé quand même. on sait que c'est du tennis. Bon. Non, Jérôme vous a mis sur la piste oui, alors. Oui. C'est des discussions entre joueurs. Oui. Pour savoir qui participera, qui ne participera pas à la Coupe Davis. Pas tout quand à fait. On est ensemble. Qui sera sélectionné ou qui sera pas sélectionné. Non, en fait. Justement. Qui va rester entraîneur ? Voilà, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Est-ce que Forget doit rester, oui ou non, le sélectionneur de l'équipe de France de tennis, le capitaine de la Coupe Davis? Certains joueurs expliquent en fait que bah, ils sont d'accord quand ils sont tous ensemble pour qu'ils restent, mais quand on les interroge individuellement, ils ne le sont plus. C'est assez curieux hein, quand même comme effet. Là, je dois dire, la réponse a été donnée en deux fois, en deux parties, mais totalement par Bonaldi. Ah ouais, non, c'est moi qui ai trouvé que c'était le tennis. C'est moi, tennis court. C'est vrai. C'est ah moi. Non, c'est moi le tennis. Ah, ouais. Ah toi, tu prends tout. Faut faire ça. Alors attention, monsieur Roger Seigné a eu le droit aux honneurs de la presse ce week-end. Roger Seigné habite l'Ariège. Pourquoi parle-t-on de lui dans la presse ce week-end? Vous avez dur celle-là. Il a honte que sa fille chante, Emmanuel Seigné. Ah non, c'est pas pour les truffes. Les truffes. Les truffes, expliquez alors. Bah c'est, en ce moment, c'est un peu la saison des champignons. Il aurait pas trouvé une super truffe, super grosse, super bonne. Moi j'en ai trouvé une. Qui va jouer mais moi aussi, j'en ai trouvé beaucoup, mon cher Laurent. Qui va jouer nu dans un spectacle? Non, Roger Seigné, il est maire, pour tout vous dire, Roger Seigné. Je peux même vous dire le village dont il est maire de la Bastide de Bousignac. Vous ne connaissez pas la Bastide de Bousignac? J'ai entendu parler de ça, moi. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a 328 habitants à la Bastide de Bousignac. Vous vous rendez compte un peu? Et un truc spécifique. Mais oui, c'est passé. Et là, il y a un truc dans son village. Ah ben, il a annoncé quelque chose qui a surpris tout le monde, Roger Seigné. Ah, il veut classer son village? Pas du tout. On a là un monsieur qui s'appelle monsieur Roger Seigné, qui est maire de Bastide de Bousignac, la Bastide de Bousignac, dans l'Ariège. Et puis, il a fait une annonce ce week-end. Alors là, maintenant, je vous ai quasiment donné toute la... Non. Il veut supprimer quelque chose. Pas du tout. Il veut accueillir des gens. Non. Il veut que sa commune soit... Non. Il veut interdire les voitures. Non. Il veut empêcher les enfants de sortir la nuit. À la Bastide Bousignac, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire la nuit, les enfants, vous voulez que je vous dise. Déjà le jour. C'est une décision qu'il a prise en tant que maire. Ah oui, bien sûr. Il a démissionné. Pardon ? Il a démissionné ? Pas du tout, bien au contraire. Il veut faire construire un aéroport pour faire directement Hong Kong la Bastide de Bousignac et la région refuse de voter les crédits. Non. C'est honteux, ça, je trouve. Il est candidat à l'élection présidentielle. Non, mais on se rapproche, Maman vous a quasiment... Donc les prochaines élections sont municipales. Bien, Christine. Donc il a annoncé sa candidature. Il a annoncé sa candidature, vous me direz jusque-là. Bien qu'il ait 94 ans. Pas loin. 100 ans. Ah, 87 ans, bravo. Il en est à son 11e mandat municipal. 87 ans, ah, Roger Seigné. Bonne réponse de Pierre Vénichaud. Bravo.
C'est son frère Jean-Albert Seignier que j'ai bien connu au collège et qui a 94 ans, lui. Ah. Lui, c'était le petit frère, on sortait pas avec lui. Le petit. Bon, 87 ans, pourquoi pas être candidat encore à 87 ans? Oh, remarque, c'est un dur travail d'être maire de Bousignac. Hein. Oui, c'est ça. Si c'était pour Paris, c'était pour Toulouse, Lyon, Marseille. T'as plutôt moins de boulot à Paris qu'à Bousignac. Hein. Ah oui? Ouais. Parce que Paris, tu mets des vélos, tu fais un défilé de folle et puis ça marche. Oh. Tandis qu'à Bousignac, faut la gagner. On te juge sur les faits. Ouais, sur les adductions d'eau, sur les conneries. Non. Moi, je te jure, moi-même, j'ai 86 ans. Eh ben, je me trouve trop vieux pour aller à Bousignac. Je te jure. Non, c'est très difficile. Vous connaissez même pas, vous n'êtes jamais allé à Bousignac. Demande dans toute l'Ariège, maintenant. J'ai une dernière petite question là à vous proposer pour, enfin, pour le moment, hein. J'en ai encore une là. À mon avis, c'est pour Stevie, celle-là. Ah. Hein. Ah ouais. Son beau-père a demandé à ce qu'on n'achète pas ses disques. De qui s'agit-il? Laurie? Non. Johnny Hallyday? Non. Lambert Wilson. Sandrine Kimberlin? On a déjà dit que c'était pas Kimberlin. Kimberlin. Enfin. C'est elle, c'est son beau-père qui lui a dit de pas acheter. Qu'est-ce qui m'arrive? De Nolwenn. C'est un homme ou une femme? Dont le beau-père ou celle dont le beau-père. C'est une femme. Dont le beau-père a demandé à ce qu'on n'achète pas ses disques. Française ou américaine? Pas française, anglaise. Pas américaine. Anglaise. Petula Clark. Le beau-père de Petula Clark. Non, ça. Il doit pas être en très bon état. Elle est tarée. Pas elle est tarée, madame Sarraute. Oui, mais c'est amical. Ouais, c'est toujours bien. Amical. Tu m'insultes et après tu... Oh non, Claude, rentre pas dans son jeu, il est pervers. Non, mais c'est dégoûtant. Oh, mais non, tu penses bien. Tarée. Mais non, tu es notre monument, notre... C'est ça. On éclaire la nuit, Claude. Bon, alors une anglaise. Dont le beau-père. Britney Spears. Non, elle demande. Elle est américaine, Britney, je crois. Non. Winehouse. Oui, Amy Winehouse, c'est bon. Amy Winehouse. Oui. Bonne réponse de maman. Toujours Christine O'Krent, Claude Sarraute, Maman, Pierre Bénichou, Stevie, Jérôme Bonaldi. Ah, cette question-là est intéressante. Quel point commun ont les villes d'Hazebrouck, Bernay, Avranches, Péronne, Abbeville et Saint-Dié? Ah, bah, elles sont, comment jumelé. Ça s'appelle? Jumelées, voilà. Évidemment, Hazebrouck, jumelé avec Saint-Dié, hein. Oui. Bah, pourquoi pas? Bah oui, c'est connu, ça. Attends, il y a un axe même. Pas du tout. Hazebrouck, Saint-Dié, Abbeville, Péronne, Avranches et Bernay. C'est pas des étapes du prochain Tour de France? Non, mais c'est vrai qu'il y a un Tour de France lié à cela. De vélo? Ah bah non, pas de vélo. Pas de vélo. De là, roller. Je suis pas sûr de que moto. Vous avoir beaucoup aidé avec ça. Mais enfin bon. De cerf-volant. Un Tour de France de cerf-volant. En cerf-volant, mais... vous y connaissez. En cerf-volant, oui, non, pas du tout. Non, mais... en cerf-volant. Oui, en cerf-volant, oui. Ah, mais je sais. Tu sais, j'en doute pas que je n'ai pas de cerveau et que je suis le plus abruti de tous. Tu sais, je n'ai aucun doute là-dessus. Il sera dit que j'ai travaillé dans une émission où quand quelqu'un disait « Vous avez le cerveau lent », il y avait des gens qui applaudissaient. Oui, mais c'est à propos, comprenez. Bon, et au lieu de faire le malin, bon. Pierre Bénichou, essayez de deviner qu'est-ce qu'il y a. On est dans quel domaine? Dans le sport? Pas du tout. Dans la politique? Un peu, oui. Ah. Un peu, monsieur. C'est une tournée politique que va faire un... Non, mais c'est lié à une tournée politique. De Rachida Dati. Ah, de Rachida Dati, c'est les gens qui, c'est les villes voilà, qui perdent. Voilà, les tribunaux. Ces villes ont perdu des tribunaux. Alors, sont les villes qui ont perdu des tribunaux. Tribunal de grande dans instance. La nouvelle de grande instance. Bonne réponse de Maman. Ah.
Et de Claude, et de Claude. Il y a de la discrimination. C'est du racisme. Positif. C'est du racisme. Contre les vieux. C'est ce qu'on appelle de l'âgisme. Voilà. C'est racisme, sexisme, âgisme. C'est le racisme anti-vieux. Pourquoi tu lui donnes à lui la réponse? Mais parce que justement, il faut faire de la discrimination positive. Oh, mais arrête, lui. Il est beau, il est. Et c'est moi qu'il faut. C'est... D'accord, il est beau, il est tout ce que tu veux, mais il est quand même pas très gentil. Non, c'est du racisme. T'as eu le trac, hein? T'as eu le trac, hein? Non, ah, si. Pas, tu comprends rien. Vous voulez pas admettre qu'un noir puisse donner une bonne réponse? Mais... Défendez-nous, Claude. Et quoi, ma main est noire? Défendez-nous, Claude. Non, mais attends, oui. Elle est blonde, Christine. Elle m'a piqué une bonne réponse. Oui, mais elle est belge. Et alors? Eh ben, discrimination positive. Ah ben moi, je suis belge. C'est un double handicap, c'est ça qu'il veut dire. Non, elle est belge, mais elle est née au Congo, quand même. Claude, franchement. Enfin, franchement, moi, n'importe quoi. Je suis vieille. D'accord, oui. Je suis blanche. Non, tu penses si vieille mais que non, ça. Mais non, pas d'esprit. Tu n'es pas vieille d'esprit du tout. Non, mais toi, tu me le payeras. Hein, non, parce qu'on est obligé. Le chef est obligé d'être un peu moins indulgent avec toi, parce que t'es quand même, tu redoubles depuis 32 ans. Je vais vous le payer. Ça veut dire, je suis déshérité, Claude. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Tu vas voir. Rachida Dati a plaqué Cécilia. Ah oui, et pourquoi elles étaient ensemble? Ben, non, mais elles étaient très amies. J'ai lu ça dans la presse, effectivement. Elle ne lui envoie plus de textos. Plus de textos. Et c'est ce dont Cécilia souffre le plus. Comment vous appelez ça? BMS, je ne sais quoi. SMS. Voilà. Terminé. BMS. Et elle c'est terminé. Elle veut plus. Il fallait qu'elle fasse un choix. C'est souvent comme ça quand on a des amis qui se séparent. On est obligé de choisir entre l'homme ou la femme. Mais c'est affreux, ce truc. Ah oui. Mais qu'elle lui envoie pas de MST, c'est dégueulasse, je trouve. Sérieusement, t'aimes bien l'un et l'autre. Et ils se séparent. Malheureusement, t'es obligé de choisir ton camp. C'est oui, je sais bien. C'est plus compliqué. Elle est ministre, son patron, c'est le président de la République. En même temps, c'est vrai qu'elle est un peu là aussi grâce à Cécilia. Vous auriez fait quoi à sa place, vous, Pierre? Moi, je serais resté avec Cécilia, moi. Ah oui? Je la trouve divine, Cécilia. Ah ouais, voilà. Moi aussi. Je la trouve formidable. Je trouve qu'elle a un culot extraordinaire et en plus de ça, quelle dont on dit, c'est une arrivée, c'est une machin, une bonne femme qui laisse tomber la place de femme du président de la République, c'est quand même quelqu'un. Ah oui. On peut dire c'est emmerdant, c'est ennuyeux, mais c'est qu'il y en a pas une sur un million qui peut faire un truc comme ça. Non, mais je veux dire, on peut penser que c'est pas aimer son pays ou que c'est pas être responsable, mais c'est extraordinaire comme esprit d'indépendance. Le nombre de femmes qui voulaient partir avec moi et le jour où leur mari était nommé conseiller municipal m'ont dit non, je peux pas quand même, j'ai des devoirs. elle laisse tomber l'Élysée. C'est un truc, c'est une gifle sur le visage d'Yvonne Drôle. Votre épouse, à vous, Pierre. Moi, depuis que je suis ici, elle peut plus partir maintenant. Non, mais elle aurait été nommée présidente, admettez, par exemple, à l'Élysée. Jamais vous l'auriez quittée en plein. Je suis pas si con, hein, oh. Voilà. Tu restes là-bas, tranquille, tu dis, il vaut mieux que je parle pas trop à la presse, que je dise pas de bêtises. Et tu vas aux courses tous les jours, tranquille, qu'est-ce qui est plutôt de t'emmerder? Ils sont 200 à s'être réunis pour offrir quoi à Dominique Strauss-Kahn? Une pipe. Bonne réponse de Maman. Et je me demande s'ils l'ont pas fait un peu exprès. C'est le précepte chinois. Quoi? Ah ben le précepte chinois pour les maoïstes. Les bouches s'ouvrent. Non, mais c'est vrai. Mais, madame. 100 000 à faire de. Il y a eu un pot de départ avant qu'il parte à Washington, organisé pour Dominique Strauss-Kahn, le 24 octobre dernier, à Paris. En présence d'Anne Sinclair, l'honneur elle est était donc là en sauf. Plus. Voilà, toutes les équipes avec lesquelles Dominique Strauss-Kahn a travaillé ces dernières années. Ils n'ont années. Pas dû cotiser beaucoup parce que, ou oui. Alors la pipe est en quoi? Une somptueuse pipe, voilà. Et 200 pour une pipe, ça fait 1 euro chacun. Quoi. Comme 200 pour une pipe, c'est une grosse partouze.
Non mais je comprends sûr pas. Qu'ils l'ont fait exprès, c'est pas possible, ouais. Franchement. Mais je comprends pas quelle était son équipe. Son équipe de 200 personnes, alors qu'il est. Mais son courant. Non, parce que c'était toutes les anciennes équipes là où il était. Son QG de la rue de la Planche. Quand il était à Bercy. Quand il était à l'industrie, quand il était à Sarcelles, il a réuni tous ceux avec qui il a travaillé ces dernières années. Sauf celui qui a perdu la cassette mairie. Mais en tout cas, ils étaient tous là, voilà, ils sont cotisés. Puis vous savez, il y a des pipes qui coûtent très 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 cher. Non, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Les pipes les plus chères, il faudrait téléphoner pour savoir quel est le prix de la pipe la plus chère. Les plus chères sont chez Denil. C'est là qu'on vend les pipes les plus chères. Les pots, les cadeaux d'adieu. Tu sais, quand tu travailles comme moi dans une grande entreprise pendant des années et des années, le nombre de pots d'adieu, de pots de maternité, de tout ce que tu voudras. Mais alors, les cadeaux d'adieu, quelquefois, c'était épouvantable. Vous avez eu quoi au Monde, par exemple? Ils vous ont une offert... montre. Quand vous avez quitté non, le... Non, rien. Rien? Je me suis fâchée. J'ai même pas eu un verre. Un verre. Mais pourtant, j'en avais offert, des verres. Mais pourquoi? Eh bien, je vais te dire un truc. Oui. Le pire cadeau que j'ai jamais vu donner, et auquel j'ai contribué, c'était un chef de service que les gens n'aimaient pas. Et tu sais ce qu'on lui a donné? Un bonsaï. Tu sais, c'est un truc à te rendre fou. C'est une petite chose japonaise. Dans un petit pot, il faut l'arroser, le sécher, le tourner à l'ouest, à l'est. Toute la journée, tu dois t'en occuper. Et il a regardé ça, il était horrifié. Et on lui a dit maintenant, attention, faut pas le laisser mourir. Et on lui a gâché toute sa retraite. mais vous, en partant du Monde, pourquoi rien fâché avec Ils vous aimaient pas au Monde qui vous ont pas fait un pot de départ? Mais non, parce que je me suis fâché avec mon chef. Oh. Ouais. Et quoi, était parti sur un coup de tête comme du résident? Oui, complètement. Je suis parti, j'ai claqué la porte, j'ai jamais remis les pieds. Non. Si elle pouvait faire ça ici, mon Dieu. Oui, pardon, oui, pas. Pour elle, j'ai une pipe à 6700 euros chez Denil. Ah oui. C'est l'une des plus chères. À 6700 euros, vous êtes allé voir sur Internet? Oui. Divisé par 200. Mon réflexe de journaliste. C'est pas la plus chère. Voyons chez Denil ce qu'il y a de plus cher. 6700 euros, t'as plus cher. Tu connais les bonnes adresses pour les pipes. Christine. Bah enfin. Pierre. Chez Denil. Vous vous rendez compte Denis un peu? Bah oui. C'est mieux. Je dois trouver beaucoup mieux Pierre chez Mademoiselle Geneviève. Pierre, vous êtes sur le cul là. Vous savez même pas quoi lui répondre à Christine. Vous attendiez pas ça de sa part. Non mais ça me fait très plaisir qu'elle ose ce genre de truc avec moi. Il y a beaucoup de préventions qui vont tomber maintenant. Ce week-end, il y avait une page entière consacrée à NKM. Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Bonne réponse. Oh merde, j'étais sûr que c'était Nick Kamer, moi, je croyais que c'était un type qui avait un petit défaut chronocration et qui disait toi, Nick Kamer. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, dont on dit qu'elle a été d'une aide précieuse auprès de Jean-Louis secrétaire d'État à l'environnement. Borloo, voilà, en tant que secrétaire d'État à l'environnement pour le fameux Grenelle, dont on dit que ça a été plutôt un succès et que Monsieur Borloo, au départ, avait un peu de mal à s'y mettre et qu'elle a été vraiment d'une aide efficace. Bien sûr, ça m'énerve, le Grenelle, c'est un truc qui a eu les accords de Grenelle, non? Le Grenelle. Surtout que aller à Grenelle, mais que ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Non, j'arrête. Oui, arrête, merci. Mais si tu dis pas le Grenelle, tu dis quoi? Mais n'aimais pas quand il chante, Pierre? Ah non, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de le voir tout nu dans sa salle de bain. Alors, je te répondrai tout simplement que je ne sente pas que dans ma salle de bain, et que quand bien même ça serait dans ma salle de bain, il y en a qui ne s'en plaignent pas. Voilà. Avoir tout nu dans ma salle de bain. Parce que pour vous, on ne chante que tout nu dans sa salle de bain. Non, il a ce genre de voix. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, j'ai une chante salle de bain, mais toi, t'as un goût de chiotte. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle raconte quelque chose d'assez rigolo, parce que décidément, il n'a pas de chance, le ministre Borloo, parce que les guignols en ont fait, puis nous, on reprend ça assez souvent, d'ailleurs, un type qui a, on va dire, le lever de coude facile, quoi, et on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, cette histoire, enfin, voilà, la légende est entrée, et à un moment donné, on lui demande comment ça se passait pour travailler avec Borloo, et vas-y pas qu'elle dit, on cale nos agendas en commun, on n'arrête pas de s'appeler,
et on se voit parfois le soir autour d'un verre de rosé pour faire le point. Et voilà, elle aussi, elle va contribuer à la réputation du ministre. Voilà. On marque un petit verre. Et à la sienne aussi, un petit verre de rosé, ça n'a jamais fait de mal. Après, un verre de rosé à 10h du soir, je trouve ça, le rosé, ça se voit. À midi et quart. Non, le rosé, je vais vous dire, ça se boit pas du tout. Mais les vins ont changé complètement. Le rosé, c'était avec le réchauffement. Avec tout le réchauffement est bon avec la nouvelle vinification. Attends, chérie, tu seras d'accord. C'est le champagne rosé qui est bon. Le vin rosé, c'est dégueulasse. Les putes préfèrent le champagne rosé, mais les gens n'en font pas. Le vin rosé. Vous rendez compte ce qu'il vient de dire, Claude, mais vous laissez pas faire. Non, mais c'est ma petite pute d'amour. Non. Faut dire que Claude a toujours pris ça comme un compliment. Alors, évidemment. Bien sûr, les femmes légères, il faut leur dire que ce sont des intellectuels. Et les femmes de tête, les femmes charmantes, les femmes intelligentes, quand on leur dit qu'elles putent, elles disent oh, vous êtes gentilles. Bon, je sens qu'il est temps que je pose une question pour Stevie, parce que là, il commençait à s'ennuyer. Hein, Stevie, oui, non, je m'endors, mais ça va. Alors, attention, je vais me lancer dans un exercice d'anglais assez difficile. Si je vous dis, Why should I be sad? Piece of me, perfect lover, break the ice, ou toy soldier. À quoi pensez-vous? Des titres de chansons. Pauvre amour, il faut comprendre d'abord. Tu veux pas que oh, la vilaine. Oh, bah, quand même, c'est assez évident. Traduisez à chaque fois après moi le titre. Why should I be sad? Pourquoi est-ce que je serais triste? Voilà. Pourquoi est-ce que je serais triste? Perfect lover. Je suis un amant parfait. Voilà. Break the ice. Casser la glace. Briser la glace. Parfait. Toy soldier. Soldat. Ah, c'est une chanson. C'est pas My Brand, c'est James Blunt. Non, pas du tout. Peace of me. C'est une chanson? Un morceau de moi. Non, pas Piss sur moi. Morceau de moi. Tu prononces mal. J'ai cru que j'étais Piss. C'est des titres, ce que tu nous dis là. Exactement, Claude. Et tu veux qu'on sache, je te dis, qui a chanté ça. Évidemment. Un monsieur ou une dame? Une dame. Oui. Britney? Oui. C'est le nouvel album de Britney Spears, sorti avec 15 jours d'avance. La 15 chanteuse... jours d'avance par rapport à quoi? Par rapport à sa sortie prévue, parce que vous savez, pour contrer Internet, la maison de disques a décidé d'avancer la sortie de 2 semaines pour éviter les fuites sur Internet. Voilà. Sarraute, Benichou, Okrent, Bonaldi, Maman. TV. Et avant la pub, on a écouté Britney Spears, que vous adorez, Pierre, je crois. Si on avait parlé autant de Jésus-Christ dans cette émission que de Britney Spears, les églises refuseraient du monde. Alors, je veux dire, je n'ai jamais entendu autant de parler. C'est quoi? Britney Spears, hein? Non, mais c'est ridicule, enfin, Britney Spears. Non, mais c'est un énorme gâchis, Britney Spears. Ah, raconte. Oui. Elle avait bien commencé, il faut dire ce qu'il y a, elle avait bien commencé, elle était sage, très... L'Amérique puritaine, donc, voilà, hyper soft. Vierge. Elle était vierge. Et elle devait se faire des pucelets après son mariage. Bref, non, c'est vrai. Après le mariage. Après, bah oui, après le soir même, la lune de miel. Ah bon, enfin, c'est comme bref. Ça. Mais c'est vrai, en général, on commence toujours vierge. Hein. Oui, non, mais elle, c'est des valeurs qu'elle prenait, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même une valeur. Je pense. Absolument. Donc c'est une valeur qu'elle prenait et qu'elle mettait en avant. C'était un espèce de modèle. Et puis d'un seul coup, elle a complètement pété un câble. Après, elle s'est mariée, elle a divorcé dans la journée. Enfin bref. Quoi, et depuis, c'est l'accumulation. Et on en parle ici. Aujourd'hui, c'est une accumulation de choses absolument pathétiques. Oh. Elle a eu des enfants, elle est nue, elle prend de la drogue, elle est alcoolique, elle se rase les cheveux. Cette femme, elle avait absolument tout pour être heureuse. Non, elle a tout foutu en l'air. Non, absolument tout. C'est trop triste. Non, je ne suis pas... De ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. C'est un des plus beaux vers de la littérature française, c'est de La Fontaine. Je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Ben voyez, Britney Spears aura servi à citer La Fontaine. Non, mais Britney Spears, c'est pas ça. Britney Spears, c'est une petite jeune femme charmante, trop sensible pour ce qui lui arrive. trop. Oh, ça sent l'honnêteté, mais non, ça. Mais non, absolument. Et elle est adorable, mais c'est cette gloire d'imbécile lui ont fait, qui lui montait à la tête.
bête. Alors on a dit, oh oui, ben elle a dit comme ça, je serai vierge jusqu'au mariage. Tu connais beaucoup de jeunes filles qui disent pas ça. Et après, tu sais comment elles sont. Non mais on rencontre un mec. Rencontre un mec, elle dit, mais ça fait rien, puisque c'est l'amour de ma vie. Après ça, elle dit, cette coiffure va bien, non? Tiens, pof, tu te rases les cheveux. Après ça, t'as des gosses, tu les adores. Mais dis donc, puis... t'as bien suivi l'affaire, hein. Puis tu les vends. Non, non, Britney Spears, c'est pas ce qu'on croit, Britney Spears. C'est quoi? Je sais pas, il faut lire. J'ai écrit un petit. Enfin, je veux dire. J'ai écrit un petit truc un essai sur l'œuvre de Britney Spears. Un opuscule. Oui, un opuscule. Dans la République des idées, 400 pages. Hein. Quand elle a couché pour la première fois avec son mari, vous savez qu'il lui a demandé, est-ce que c'est vrai que c'est, je suis le premier homme qui couche avec toi? Elle a répondu oui, mais pourquoi vous posez tous la même question? Non, vous voyez, elle a. En plus de ça, elle a beaucoup souffert de faire la joie des chansonniers, vous comprenez? Alors donc, moi, Britney Spears, écoutez, elle était encore à la maison le week-end dernier. Elle s'occupe de mes gosses maintenant. Surtout Henri, qui a 32 ans. Je vous emmène dans le Bas-Rhin. Oui, encore. À Danemarie. Alors, là, il y a des bacs à poubelles, comme dans tous les départements. Beaucoup, donc, voilà. Sauf que dans ce village, les bacs à poubelles ont une particularité, laquelle ? Ils sont faits pour accueillir les cigognes. Dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, il y a des cigognes. Il y a une poubelle spéciale Kouglof. Non. Après, les cigognes de Kouglof, vous allez faire la choucroute aussi tant que vous y êtes. On va sortir des clichés alsaciens. C'est des poubelles en bois ? Non. En pierre. Bon, pourquoi dans le Bas-Rhin il y a des poubelles un peu différentes que dans les autres? Parce que c'est classé. C'est une histoire de déchets d'une nature particulière. Alors c'est vrai que en Alsace, il faut le dire, ils sont très en avance par rapport aux autres régions, même le Bas-Rhin par rapport aux autres départements sur le tri des déchets. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un endroit où depuis déjà un moment les gens payent en fonction au kilo du nombre de déchets qu'ils mettent dans leur poubelle. On paye au poids. On paye au poids. Il y a une puce électronique dans la poubelle pour savoir à qui elle appartient. Il y a un compteur. C'est des plastiques Comium qui fabriquent ça. Ça, c'est vrai, mais c'est logique. Bon, puisque est-ce que c'est une question de tri? C'est-à-dire que, il y a une poubelle pour les bouteilles, une poubelle pour le plastique. Ça, d'accord, oui, évidemment, ça, c'est partout, hein. Puisque c'est institué. Ah, le bac à poubelle. Oui, je vois ce que c'est. C'est un examen qu'ils font passer là-bas. Et c'est seulement les filles très sales qui peuvent se présenter. Alors, on dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, je passe le bac à poubelle aujourd'hui. Tu vois, c'est ça? Non, attendez, c'est Danemarie, dans le Bas-Rhin. Oui. Il y a des poubelles en plastique. Oui. Le plastique Comium. Il y a une petite puce, on paye en fonction du poids. Ça fait deux fois qu'ils citent Danemarie. Exactement. Okay. Oui, j'aime bien. Et chaque citoyen, habitant de Danemarie paye en fonction évidemment des déchets qu'il. Et bah, du coup, il y a moins de déchets. Mais c'est vrai à Strasbourg aussi. Du coup, il y a moins de déchets. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais il y a un petit truc supplémentaire sur les poubelles qui n'existe pas sur les autres poubelles. Réfléchissez. On paye moins si... On met moins. Il y a un cadenas. Il y a un cadenas sur les poubelles. Il y a un cadenas sur les poubelles. Les voisins mettent une serrure. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et oui, évidemment, parce que dès que le truc a été institué, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils allaient foutre leurs déchets dans les poubelles des voisins. Ah, les enfoirés. Ah, le civisme. Pour payer moins cher et que l'autre paye plus cher. Donc maintenant, chacun a une serrure, un cadenas sur sa poubelle. Tu te rends compte l'abrutissement de ce pays, non? Les mecs ont une clé. C'est la clé de la poubelle parce que les voisins, qu'est-ce qu'ils ont mis, hein, des trucs, hein. Non, mais je te jure, c'est ça. Voilà, vous voyez les ridicules de l'écologie. Le ridicule du machin. Bah, dis donc, alors pour le tri, hein, j'ai ma clé. Hein. Mais quel pays? Mettez-vous. Allons vivre ailleurs avec ton immense fortune. Tu veux pas qu'on ait. Et bientôt, ça débloque un peu d'argent, allons voilà vivre. Mon petit darling. Mon gigolo, Adolf. Non, je suis pas vraiment ton gigolo, je suis un ami qui t'aime beaucoup. Non, mais mettez-vous à la place des gens, vous faites des économies sur les déchets. Il veut pas, justement, il veut pas. Parce qu'on nous explique bien comment, en plus, on peut alléger ses poubelles et ainsi payer moins de taxes. Par exemple, il faut remplacer l'essuie-tout, le sopalin, par un torchon en tissu. Enfin, voilà, première chose que vous pouvez faire chez vous, Pierre. Le bon vieux torchon pour remplacer l'essuie-tout. Fini la lingette. Voilà. Aussi. Le mouchoir. Oui, mais qui va le laver après? Le mouchoir en tissu pour remplacer. D'accord, mais après, je veux bien.
Je sais qu'il faut, plus de Kleenex et plus de Sopalin. Et ben voilà. Mais c'était, et puis les couches aussi des gosses. Et laisser les femmes avoir à laver 12 couches par jour. Il y a des écolos. C'est ça, c'est ça que vous voulez? Eh oui. Ouais. C'est ça que vous voulez? Mais non, mais tu as besoin. Et qui va laver tous les trucs des machines à laver? Évidemment, qui vont prendre de l'électricité, qui vont prendre de l'eau. Ben on est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries-là? Et puis aussi, on va fermer bientôt les poubelles avec des clés aussi, non? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on continuera à fermer les poubelles avec les clés, non pas pour que les gens vous mettent des choses dedans, mais pour que les gens vous les piquent non, pas. Mais il y a des choses, en plus, dans la liste assez intéressantes. C'est vrai que moi, maintenant, je vais y penser. La nourriture animale, bah, ne l'achetez pas en dose individuelle, achetez-la en grande quantité. Oui, ça, faut acheter un bœuf dans la maison. Quoi? Faut acheter un bœuf quand tu veux un bifteck, tu comprends pas ce que ça veut dire. La crème dessert. La nourriture animale, la nourriture pour les animaux. Oui. Mais les animaux sont supprimés des maisons. Dès que je suis au pouvoir, on supprime deux choses, les deux roues, avec ou sans moteur, et les animaux dans les maisons. Il y a des fermes pour les animaux et des vélodromes pour les deux roues. Ma ville, on me la laisse. Soit je marche, soit je roule en voiture. La crème dessert. Non, m'emmerde pas avec les ces trucs qui arrivent maintenant. C'est horde de Vélib qui t'arrive. En sens interdit, qui te font bonjour et tout. Ça, en plus, ça ne concerne que les bourgeois, que les gosses. Oh, le vieux conservateur. Conservateur. Non. Le deux roues, c'est l'ennemi. Écoute, tu sais ce que je te raconte, Steve. Les gonzesses, il y a longtemps que c'est l'ennemi. Toi, tu fais tranquille. Les deux roues. Et alors, les gonzesses à vélo. Alors là. Non, mais écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi, je traverse un pont devant chez moi. Non. Il y a deux cyclistes qui arrivent sur le trottoir. Je commence à les engueuler, je leur dis, vous rendez compte, ils n'ont pas le droit d'aller sur les trottoirs. Oh. Et ils me disent, vous, madame, vous rendez compte, vous me renversez, vous me tuez. Alors ils me disent, avec vous, on risque pas, vous avez un chemisier qu'on voit de loin. Alors je leur ai dit, parce qu'il faudrait maintenant que je m'habille en costume fluo pour pouvoir sortir dans la rue. Ah bah oui, la mode Roselyne Bachelot. Bon, je reviendrai aux poubelles allégées tout à l'heure après le flash de 17h. Non, mais là, on a compris, là. Ah, parce qu'on n'a pas tout dit. Non, il y a vraiment des conseils intéressants. Moi, j'ai appris des choses ce matin dans Le Parisien, mais là, c'est l'heure du flash. On se retrouve tout de suite après. Ouais. Christine Aubrette, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Maman, Pierre Bénichou. Et je vous ai promis avant le flash que je vous dirai comment, grâce aux Parisiens qui nous donnent l'info ce matin, on peut économiser jusqu'à 50 kilos de déchets. Et c'est-à-dire que ça fait quand même une différence de 600 euros de taxes par an. 600 euros par an, c'est pas rien. Alors effectivement, utiliser un torchon plutôt que l'essuie-tout Sopalin ou autre marque. Utiliser des mouchoirs en tissu plutôt que les Kleenex et autres Lotus qu'on utilise. La crème dessert en pot individuel, c'est fini. Maintenant, achetez-la en grand pot, la crème dessert. Oui, surtout si vous êtes célibataire. Le paquet de riz, au lieu d'acheter un paquet de riz de 500 grammes, eh ben, prenez un paquet de riz d'un kilo, Pierre. Je pense, pas moi qui m'occupe de ces choses-là, mais en fait, de toute façon, je trouve quand même que ça retourne en arrière terrible que de dire que les mouchoirs en papier font plus de mal que les mouchoirs en tissu. Les mouchoirs en tissu, c'est dégueulasse. Ça rappelle l'enfance. Et ça fait des trous dans les comptes de la sécurité sociale, puisqu'on se remouche dans ses propres miasmes. Moi, j'ai passé des années de ma vie à langer mes gosses dans deux langes différents en tissu. Après, il fallait faire bouillir dans des marmites. Oui. Et maintenant... Oui, mais regarde comme tes enfants sont réussis. Ah oui, ils sont réussis peut-être, mais moi, j'en ai bavé. Oui. Et c'est pas maintenant que j'ai les lingettes, le sopalin et les Kleenex que je vais me gêner. Non, mais tes enfants ne sont plus en âge non plus. Enfin, rassure-nous. Si moi, je me fais toujours langer, moi. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est le président de la République, François Mitterrand, encore rêvé de se faire langer. Oh, c'est vrai. Oui, mais non. Mais demain matin, demain. Catherine Langer, la speakerine dont il était amoureux. Ah, d'accord. Ah non, parce que c'est très fréquent. Hein. Ah bon, quoi? Mais moi, j'ai reçu, quand j'étais au Monde, j'ai reçu un lange. C'est-à-dire? Tu sais, je recevais des lettres de félicitations, mais beaucoup de lettres d'injures. Oui. Et puis j'ai beaucoup de cadeaux bizarres. Oui. Et un jour, j'ai reçu un lange. Et on m'a demandé de le renvoyer après y avoir fait quelque chose. Ah oui? Je te jure. C'était pas un compliment. Non. C'était un fou complet. C'était pour un test ADN. Non, mais je sais pas pourquoi je t'ai envoyé ça d'ailleurs. C'était... Tu lui disais que j'avais pris dans un livre.
Non, mais tout ça est beaucoup trop littéraire, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on est en train, sous couvert de modernité, de faire des retours en arrière qui sont absurdes, dont on rira, j'espère, dans 15 ans. Ils sont stupides. Qui sont stupides et ridicules. Qu'a-t-on pu voir arriver dans une longue Cadillac rose? Britney Spears, non. À Paris ou à Hollywood? À Paris. C'est du rugby, non? C'est du rugby, oui. Mais c'est la réponse... Le ballon du match? Pas le ballon du match. Une danseuse du Lido. La coupe. Alors, il y avait des danseuses du Moulin Rouge, c'est du vrai. Du Moulin Rouge. Mais je vous ai demandé... De Minici. Qu'est-ce qu'on a vu? Pas qui? Ah, la mascotte. La coupe. La coupe qui a récompensé... Non, le bouclier. Le bouclier de je sais plus quoi, là. Le bouclier de Brennus. Bonne réponse de Maman. Oh, bah, it's TV, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'avais oublié le nom, mais je savais que c'était le bouclier, je les ai vus. Même qu'elle était décapotable, la limousine. Bouclier de Brennus. Il est arrivé, ouais. Puisque c'était la reprise du championnat, enfin du top 14 championnat. Ça, c'est une idée de Guadini. De France, de rugby, effectivement. Et alors, il y a eu tout un spectacle avant le match au Stade de France. Voilà. D'abord, il y a eu Calogero qui a chanté, ensuite Passy. Elle est bien, Calogero. Ah non, c'est Nicky Mac. Non, c'est un homme, Calogero. C'est un chanteur, Calogero. Il y a une femme qui s'appelle McIntosh, comment elle s'appelle? McIntosh? Calogero, McIntosh. C'est un joueur du rugby. Calimero, un petit. Kiliminog. Ah voilà, Kiliminog. Je trouve. Décryptez avec moi le bénichou. Alors, je trouve que c'est la femme la plus sexy que j'ai vue de ma vie. Oui. C'est la marraine de la Starac. C'est la marraine à la Starac? Ouais. Non. Avec Céline Dion. J'ai regardé copine. L'autre jour. Ah, vous avez regardé la Starac? Oui. Attends, non. Pas la Starac, l'autre, la Popstar. Popstar. Il y a un mec qui dit, alors, il faut savoir qui est mon élève à moi, qui est l'élève à qui? Alors, tu peux pas savoir. Le patron des chansons. Oui, Didi, là. Puis Didi, ouais. Didi, oui. Il dit, alors, tu chantes, tu manques de respect et tout. Non, mais c'est honteux. Ces gens-là devraient être en prison. Non, mais sincèrement, la vraie pollution, c'est la Starac. C'est tous ces trucs-là, ça c'est de la pollution. C'est pas de jeter un Kleenex dans la oh rue. Oh non, on va pas repartir. Ça c'est de la pollution. Attention, si je vous demande Ali Baba quand, vous me répondez quoi? Ce soir à 20h50 sur TF1. J'étais sûr qu'il y en a un qui tomberait dans le piège. Et Stevie, c'est pas du tout ça. C'est un fils c'est de la Gacan. C'est le ministre des Affaires étrangères turc. Bonne réponse de Christine Autrin. Ah bah, j'allais le dire aussi, hein, c'était ma deuxième solution alors. Ah oui, j'étais sûr qu'en disant Alibaba quand il y en a un qui me répondrait TF1 20h50. Et monsieur Alibaba Khan. Ah, le con, c'est KHM. Non, parce que en turc, paraît-il, c'est Alibaba Chan. Ah, tiens, tout à l'heure, on parlait des jeunes femmes qui faisaient du Vélib. Ben, il y a quelqu'un, on peut voir ça dans Voici aujourd'hui, qui s'est fait arracher son Vélib et son sac, mais qui a réussi à courir après le voleur et qui l'a fait arrêter par la police. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un qu'on connaît. Oui, autrement, je vous poserai pas la question. Une actrice. Jeannie Longo? Non. Adjani? Non. Béatrice Dalle? Non. Sophie Marceau? Non. La liste est longue. C'est une actrice. Josiane Balasco? Non. Josiane Balasco, vous la voyez courir derrière un... Pourquoi pas? Non, c'est vrai, là. Non, c'est vrai. Franchement. Marianne James, pareil. Enfin, écoutez. Et Laurence Boccolini, allez-y, faites la liste. Roselyne Bachelot. Cherche celles qui peuvent faire peur à un malfaiteur. Bah, justement, c'est là. C'est d'où le sel de cette histoire. Isabelle Nanty. Mais non. Mimi Mati. Mimi... Mathilde Seigné. Non, non plus, non. Non, c'est assez amusant. Vincent MacDoum. Je vous le raconterai pas. Je vous le raconterai pas si c'était pas amusant, évidemment. Chérie, est-ce qu'elle est vilaine? Pourquoi elle est vilaine? Non, tu dis non. Qu'elle lui a fait peur. Non. Eh ben, c'est pas quelqu'un de jeune. Parce que c'est justement ou quelqu'un de très costaud, il a dit que non. Ou quelqu'un qui n'a plus grand-chose à perdre. Non, c'est quelqu'un qui est dans la force de l'âge, c'est pas quelqu'un qui est vieux, c'est pas quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, 50 peut-être, à tout casser, et qui est plutôt joli. Catherine donc. Deneuve? Non, plutôt joli en tout cas. Non, 50 à tout. Non. Là, il faut casser. C'est 50 à prix cassé, là. Qu'est-ce qu'il y a comme actrice et tout? On a fait le tour. Hein. J'en vois pas d'autres, moi. Après, Brune. Pas brune. Blonde. Non plus. Châtain. Rousse. Clémentine Célarier. Clémentine Célarier, ma petite Claude, pas du tout. Véronique Geneste, Julie Lescaut, évidemment. Bonne réponse de Stevie, Julie Lescaut. Et le voleur, c'était Mousse Diouf.
Elle fait sa police à 15h50, s'en prendre à son vélo à elle. Véronique est furieuse, ce garçon ne regarde sûrement pas TF1. 15h55, avant de laisser le voleur au policier, elle lui fait la leçon. 16h10, il a compris, la prochaine fois il piquera le Vélib de Navarro, il court moins vite. C'est ça qui est incroyable. C'est ce qu'écrit Voici, qui sont toujours drôles dans Voici. Des fois tu te demandes si c'est vrai, comme par hasard, il y a un paparazzi juste à ce moment-là. Mais non, mais il y a de plus en plus de gens qui ont des téléphones portables avec d'excellentes qualités photographiques. Ah, voilà. C'est chelou quand même. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Voici, qui est un journal vomitif, qui raconte toujours les trucs comme ça, et drôlement bien écrit. Ah oui, très drôlement bien écrit. Ah non, mais c'est drôlement bien écrit. Donc, tu lis les journaux vomitifs? Pardon? Moi, non seulement j'ai écrit, chaque fois que ça tombe sous la main, je trouve que c'est drôlement bien foutu, bien écrit. C'est comme Cosmo. Puis journalistiquement bon, ça commence là où il faut. C'est très bien fait. C'est bien écrit. Bah, c'est pour un journal, ça veut dire que c'est bien fait. Tu veux un Kleenex ? C'est bien fait pour toi. Ouais. Tout à l'heure de Clémentine Célarier ou de Véronique Jeunesse qui était rousse, mais qui d'autre a les cheveux roux? Mylène Farmer. Je ne vais pas vous demander tous les roux de la planète, mais on vient d'apprendre qu'il était roux. Georges Kilian. Ah, je sais. Non. Ça me plairait. Allez-y. C'est l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal. Bonne réponse. Bravo. De Maman. Voilà, c'est mais il est mort. L'ADN de fossiles d'Espagne et d'Italie qui a révélé que Néandertal était porteur d'une mutation du gène MC1R, code d'une protéine responsable de la production de mélanine, et ce qui veut dire donc que l'homme de Néandertal avait les cheveux roux et un teint pâle. Il était blanc. Voilà. Il faisait froid à l'époque. C'est une réponse naturelle de génétique au bout de millions d'années pour que, quand on résiste au froid, on fait de la mélamine soi-même en étant blanc. Sauf que Néandertal est mort, il a été remplacé par un autre Africain. Saviez-vous que l'homme de Néandertal était roux, Claude ? Non, pas du tout. Jésus-Christ était roux. Ah oui ? Ah oui, tu ne savais pas. Jésus-Christ n'était pas roux. Bien sûr qu'il était roux. Mais non, c'est la représentation sulpicienne. Il était blond vénitien. Quelqu'un qui en a fait un blond vénitien. Mais c'était un petit arabe de Jérusalem. Mais c'était juif. Il y a plein de roux. C'était un petit juif arabe de Jérusalem. Mais écoute. Qui était noirou. Mais oui. Quand on voit passer des petits barbus sur des ânes entre Jérusalem et Nazareth et qui sont des petits Palestiniens, c'est évidemment ça, Jésus. Tu n'as qu'à aller à Jérusalem, dans le quartier religieux. Ben tu y vas, tu n'as que des petits rouquins avec les papillotes. Mais ceux des petits rouquins avec les papillotes, ce sont des juifs qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Europe centrale, et qui se sont remis là-dedans, dans ce truc-là. Mais je t'en fais le pari. Mais moi, je te parie tout ce que tu veux. D'accord, t'as des juifs noirs, mais t'as des juifs roux. Des juifs roux, il y en a beaucoup. En Europe centrale. Mais ceux qui étaient là-bas à Jérusalem, il y a 2000 ans, étaient des petits noirons. Mais comment tu peux imaginer que les juifs qui sont allés en Europe centrale ont couché avec des roux à rien? C'est impossible. Ah, t'es pas sans rester entré, uniquement? Absolument. Mais non, pas du tout. Oh là là, quelle mauvaise juive. Non, non, je plaisante évidemment sur ce sujet, sur lequel j'aime pas trop qu'on plaisante d'habitude. Mais c'est vrai que cette image de Jésus charmant blond, c'est une image inventée par l'Église. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Non, c'est pas Renan, c'est un autre qui a écrit Une vie de Jésus et qui a prouvé qu'il était roux, voilà. Renan a écrit que Jésus était roux. Non, c'est pas Renan, c'est pas Franck, Franck Provost. Autre question, si vous le voulez bien. Qui a dit non à la Primavera? Cécilia. Non. Qu'est-ce que c'est la Primavera? C'est un modèle de voiture. C'est un peu la question en même temps, Claude. La Primavera, ça veut dire le printemps en italien. C'est un modèle de voiture? Non, pas du tout. Qui a dit non à la Primavera? C'est une personne, la Primavera? Non. C'est une pizza? Voilà. Puis il y a quelqu'un qui aurait dit non à la pizza. Bah non, je préfère une napolitaine. C'est du sport. Vicage Dorasso qui a refusé de jouer à Livourne en équipe réserve. Et c'est le nom donc de l'équipe de réserve. Bonne réponse. Mais quelle science! Incroyable! Et oui, la Primavera, c'est le nom de l'équipe réserve de Livourne. Et effectivement, Vicage Dorasso, qui fait encore des siennes, a refusé d'aller jouer avec l'équipe réserve, puisqu'il n'était pas titulaire dans l'équipe première. Il avait fait le coup au Paris Saint-Germain aussi. Décidément, il a un peu mauvaise tête, votre copain. Ah, moi, je l'adore. Ah oui, mais enfin, là, quand même. Mais oui, c'est le moins con des footballeurs.
Donc c'est évident que quand on leur fait ces sanctions absolument incroyables qu'on leur fait, c'est-à-dire que quand ils marchent pas bien, on les fait jouer dans l'équipe deuxième, dans l'équipe troisième, dans le machin. Ils ont raison de ne pas jouer. Ils ont été engagés. Ouais, mais pour être en équipe première, ils n'ont pas à jouer. Là, moi, je suis pour la défense du footballeur. Il est parti. Il continue de perdre toujours le PSG. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Qu'est-ce que vous faites là? Il répète son texte. Vous êtes en train d'apprendre le texte de votre pièce pendant mon émission. Pas du tout, ah, si, je vous ai vu. Non, regardez où je devais aller. Non, rien de grave. Ah, mais vous faites autre chose pendant l'émission. Ah non, j'ai mis 30 secondes pour une fois que moi je jette un regard en dehors qu'à vous. C'est pas français, ça. Normalement, j'ai toujours les yeux sur vous. Pour une fois que 30 secondes, je regarde quelque chose ailleurs. Vous n'allez pas me taper. Dis-moi, enlève ton bonnet de nuit quand tu parles au patron. Enfin, c'est vrai, c'est une émission qui réclame toute attention, minute par minute, seconde par seconde. Si vous êtes culotté. On vous a jamais dit de pas répondre, en plus. Hein? Ah si, c'est vrai, je suis effronté. Ça, c'était écrit sur tous mes bulletins. Ah, vous êtes effronté. Effronté. Par contre, vous répondez pas souvent, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il arrive. Pierre, on est compte un peu, on a plus la loi. Oh non, moi, je suis pour le virer, moi. On perdra beaucoup d'auditeurs, d'accord? Mais évidons-le. Et puis, il va faire carrière au théâtre. Oui, qu'ils choisissent. Entre le théâtre et moi, il faut choisir. Votre bonnet, là, c'est la mode Obispo, en fait, Sylvie, non? Non, j'ai froid et je ne suis pas coiffé. Ah, c'est ça. Ah, tu n'es pas coiffé? Ma petite chochotte. Oh. Oh. Il a enlevé son bonnet. Mon bonnet d'âne. Mais comment tu te coiffes, toi? Avec un peigne, avec des doigts, avec quoi? Je me coiffe pas, Pierre, comme tu peux le voir. Il fait comme Chabal, il met les doigts dans la prise. Aussi. Non, je préfère la langue. Annabelle, ne mets pas ta langue dans les prises électriques. C'est quoi cette histoire? Je comprends rien. Oh là là, c'est très salace. Ah ouais, non mais c'est jeune, ouais, c'est vrai que vous êtes un peu trop âgé pour ça. C'était un film. On n'est pas trop âgé pour ça d'abord. On est un peu trop âgé pour ça. Oui, c'est vrai, autant pour moi, mais bon, c'est comme ça, j'ai toujours dit pas âgé. Donc je sais pas, c'est un film quand j'étais jeune qui avait cartonné, on reprenait les répliques, mais je pensais que vous connaissiez. Annabelle, ne mets pas ta langue dans les prises électriques. Cela pourra te court-circuiter. Enfin, après, je Mais c'est dans quel film, ça? Un look d'enfer. Ah ouais. Voilà. On va sienner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Maman, Stevie, Christine Offray, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et... Et au téléphone, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Vous avez décidé de changer l'ordre des choses. Aujourd'hui, cher Serge, c'est donc le quiz dès lundi. Voilà, un petit quiz du lundi, pourquoi pas, changeons un peu nos Sauf que là, alors là, attention, là, ça va être très 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 dur, même si chacun a déjà pris papier et stylo, parce que ce ne sont pas des chansons que vous proposez, ce sont des musiques, des génériques d'émissions de télé. Eh oui, c'est essentiellement instrumental, musical, il y a peut-être 2-3 trucs chantés, mais pas beaucoup. Il faut reconnaître les émissions de télé. Voilà, des émissions de télé. Attention, ce ne sont que des jeux, des divertissements ou des magazines. Il n'y a pas de dessins animés, de séries, ni de feuilletons, ni même des journaux. Donc, des vraies émissions, quoi, en fait. Oui, voilà, des vraies émissions. Et alors là, on fait porter sur une période d'une cinquantaine d'années, des années 60. 15 génériques d'émissions à trouver, vous vous rendez compte un peu? Vous regardez la télé? Oui, mais enfin, quand même, pas tant que ça. On essaye, c'est parti. Dans son ménage, le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais we'll be right back.
phrase générique d'émission. C'est pas facile, mais je sens qu'on en a quand même trouvé pas mal autour de la table. Et je me tourne d'abord vers Christine parce que ça m'a amusé. Christine a commencé à noter un nom. C'était lequel, Christine? L'heure de vérité. L'heure de vérité. Ah, oui. Chacun son émission. Hein. Ah, oui. Effectivement, l'heure de vérité. Bravo, Christine Ocret. Et puis, ce soir ou jamais. Voilà, ce sont les deux que j'ai reconnus. Ah, très bien. L'émission de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais. Bravo, fallait le faire quand même. Oui. C'est une émission assez récente tout de même. Vous avez reconnu son générique. Pierre, vous avez retrouvé Pierre? Trois. Allez-y. Bonne nuit les petits. Il n'y a pas Bonne nuit les petits. Non, il n'y a pas Bonne nuit les petits. Non. Eurovision. Non, il n'y a pas l'Eurovision. Non, c'est la télé couleur. Et les mots de minuit. Les mots de minuit, non, il n'y a pas ça. Eh non ben plus. Voilà, j'ai zéro. Claude, vous avez retrouvé. J'ai reconnu tous les airs. C'est pas vrai, allez-y alors. Non, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Je les connaissais tous. Ah, c'est bien, oui, alors. Maman, vous avez Maman Froufrou, non? Froufrou, bravo. Ouais, classe. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, bravo. Bonjour les zouzous, si je sais pas, les zouzous quelque chose. Non, il y a pas les zouzous, non, il y a pas. Ça se discute. Ouais. Ça se discute, ouais, bravo. Faites entrer l'accusé. Ouais, bravo. Et les minicums peut-être, non? Non, il y a pas les minicums. Stevie. J'ai Interville, c'est pas sorcier. Attendez, les... pas trop vite. Interville, ok, c'est pas sorcier, on l'a déjà dit, ouais. C'est les amours. Les amours, bravo. Il y a pas photo. Non, il y a pas photo. Alors c'est il y a que la vérité qui compte. Il y a que la vérité qui compte. Le juste prix? Non, il y a pas le juste prix. Un gars une fille. Un gars une fille, ouais. Ouais, 12. Un gars une fille, bravo. Ouais. Et il y avait la chance aux chansons. Non, il y a pas la chance aux chansons. Ah, bon. Moi j'ai en plus peut-être en 4 la séquence du jeune spectateur. Histoire sans parole. Histoire sans parole. Bravo, histoire sans parole. Waouh, c'est pas mal ça quand même. Quelle déjà. Quelle culture. Bah écoutez, vous en avez trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 15. 11 sur 15. Enfin, on s'y est mis à 6. Oui, c'est pas mal, il en manque seulement 4. Je vais vous aider évidemment pour les 4 qui manquent, on va réécouter tout. Alors, à gagner, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Bah, le calendrier du chat de Philippe Geluck, son dernier album chez Casterman, La Marque du Chat. Des places pour aller applaudir Stevie dans sa pièce Le Petit Trésor à la Grande Comédie, ou même pour applaudir Michael Gregorio dans son nouveau spectacle d'imitation. C'est à partir de la même date, 6 novembre, sauf que là c'est au Théâtre L'Européen. Jean-Luc Lemoine au Théâtre Le Temple. Bref, un filet garni de cadeaux pour vous tous. À partir donc du moment où vous aurez trouvé les 4 génériques manquants. Mmh. C'est parti. Ça passait le midi et c'était animé par Jean-Pierre Foucault. On ne dit plus rien autour de la table. Ça c'est bien Interville, ça a été découvert. La femme porte quelque... Froufrou, l'émission de Christine Bravo. La culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois. Dans les liens du mariage. Mais... Histoire sans parole, ça date de 64. C'est Paul McCartney à qui on devait le générique de L'Heure de vérité. C'est pas sorcier, trouvé par Maman. C'est normal. Les amours. Il n'y a que la vérité qui compte. Attention, le prochain n'a pas été découvert. Il y a eu 5 animateurs différents pour cette émission. Ça se discute, ça a été trouvé. Un gars et une fille, trouvé aussi. Ce soir ou jamais, une musique originale de Frédéric Botton, identifiée par Christine Ocrent. Faites entrer l'accusé, l'émission de Christophe Andelat. Bravo Stevie. Maman. Alors la prochaine, c'est une musique de Serge Liado. Je peux vous aider. Une dernière est très très connue, alors je dis rien. Voilà, il en reste 4 à trouver. Je savais pas que vous aviez fait la musique d'un générique, Serge Liado. Oui, moi j'en ai fait 3, dont une pour Paul Vermus. C'était sur la 5, c'est ça, dans cette émission? Oui, c'était sur la 5. Voilà, on donne une petite indication supplémentaire. Sur europa.fr, vous n'hésitez pas à nous donner les 4 génériques manquants et vous gagnerez le
lot filet garni de cadeaux, y compris peut-être le... on remet un livre, Paulette, ou pas? Est-ce qu'on remet un livre Diedouchka. Ouais, ouais, on remet un livre de Paulette Couder, Diedouchka, c'est dans les éditions... Belfond. Belfond, merci Jérôme Bonaldi, on en reparlera demain. Jérôme, avant vos objets, il y a la chanson Flash de Serge Liadeau. Sarkozy l'Américain. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais depuis qu'il est élu Nicolas, tout le monde, même ses copains, l'ont surnommé Sarko l'Américain. Il aime tant les USA qu'il passe toutes ses vacances là-bas. Il court en t-shirt Yankee, estampillé NYPD. Ring, 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 car il aime bien le modèle américain. Il voudrait rivaliser avec les Bush qui sont des pétroliers, mais comme il gagne moins que Fillon, il s'est attribué une augmentation. Cécilia va apprécier, car au divorce, on lui a attribué une pension alimentaire calculée sur l'ancien salaire. Ah, ring, 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 là, c'est moins bien que le modèle américain. Mais quand quelqu'un de CBS lui demande s'il sait où est sa gonzesse, il insulte ses conseillers. Car c'est un crime de lèse-majesté. Ils ne s'interdisent rien, ces journalistes américains. Mais comme ils sont étrangers, il peut pas les faire virer. Ah, là, il trouve que ça ne vaut rien, le modèle américain. Bravo Serge Liadeau. Et c'est vrai qu'on a vu depuis ce matin les images de cette journaliste américaine qui se retrouve face à un fauteuil vide, journaliste de CBS et Monsieur Sarkozy. Il s'appelle Leslie Stahl pour le magazine. Et alors, 60 il n'avait pas prévu qu'elle lui pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, il a eu un accès de mauvaise humeur. Oui. Imbécile, il a dit. Alors, on ne sait pas s'il traite la journaliste ou non. David le Martineau. Conseiller, oh, c'est le Martineau. Conseiller qui était derrière lui. Il a traité d'imbécile ou de tu n'es qu'un enfant. Ça veut dire que tu m'as promis que ça ne viendrait pas, cette question. Elle est venue naturellement. Pauvre Martineau. Est-ce que vous pouvez demander à Pierre Bénichoux de quoi on parle depuis 3 minutes, Claude? Oui, c'est cette journaliste, la pauvre, qui se fait. Il a trouvé un fauteuil vide, la pauvre. Il fait son petit dodo, là. N'empêche que. Je me demande comment j'arrive à animer cette émission. Il y en a un qui fait ses coloriages, là-bas. L'autre qui pique un roupillon, comme on dit chez moi. Des fois, mes paupières se ferment pour ne pas vous voir. Allez, dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi. À tout de suite après la pub. Objet de Jérôme Bonaldi. Alors Jérôme, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien pour Stevie, justement, un coloriage. Ah. Et Dora l'exploratrice. Ah, le numéro un de la licence. C'est les petits crayons, genre Crayola, tu sais, avec de la cire, quoi. Tu vois, c'est voilà. Ils ça sont un peu plus gros que les autres. Attends, attends. Au-dessus du crayon, il y a une sorte de... Il fait Michel Lem maintenant. Alors, au-dessus de ces crayons-là, il y a une sorte de petit capuchon en plastique. Ça n'est pas une gomme. C'est un réceptacle pour... un truc bidule et qui, quand on le branle, quand on le met dessus, donne la couleur. Étale-le avec moi. R-O-U-G-E. Rouge. Non, mais vous avez vu ce qu'ils font, les petits crayons, là? Oh, du noir. N-O-I-R. Bravo. Ah, comme ça, ils savent écrire, les mots. Exactement. Et ils savent dessiner. Et on leur donne des conseils dans le style. Tiens, il y a un petit crayon, tout le truc est vendu avec. Donnez-moi un que je vois un peu. Vous voulez faire un peu le petit coloriage? Non, mais je veux le bruit aussi, moi. Ah, ben, c'est, s'il vous plaît, Stevie, tu rends le coloriage au patron. Voilà. En français, on dit orange. En anglais, on dit orange. Quel autre objet est orange? Colorie-le. Mon short est orange, tous les shorts sont pas orange. Ah non, le short de Dora est orange, parce que c'est vendu avec un petit livret de coloriage. Ah. Voilà, et quand on rouge... Non, on peut pas faire la couleur qu'on veut sur son pantalon. Ah non, alors, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu es libre, évidemment. Enfin, c'est juste pour dire que maintenant... C'est pas mal, ça, Pierre, quand même, avoué pour les enfants. Mais non, parce que quand ils sont en mesure de faire marcher ce truc-là... Il y a très longtemps qu'ils savent faire que noir, ça s'écrit N-O-I-R. Ah non, ah non. Non, non, non. Non, les enfants, ils grandissent pas d'un seul coup. Ils passent pas de 0 à 15 ans comme ça tout de suite. T'as eu des enfants, toi, pour m'en parler comme ça? Oui. Tu sais combien d'enfants j'ai élevé, moi? Tu sais combien d'enfants qui sont arrivés, ils étaient nuls et des cancres en 6e et 2 ans plus tard, je les ai amenés à Polytechnique? Ouais, c'est pour l'éducation, ça veut dire ça. C'était juste pour vous raconter qu'on met de l'électronique partout et que Dora est le numéro un des licences en France. Ça fait mieux que Spider-Man, ça fait mieux que Zorro, autre chose. Ça fait mieux que tout. On a peut-être enterré un peu trop vite l'ampoule
électrique à incandescence. Vous savez que Grenelle de l'environnement, on dit « Ouais, ouais, maintenant, il faudrait tous faire de la basse consommation. » On peut encore innover et faire des choses mal. Vous connaissez les lampes halogènes, les ampoules halogènes. Ah, ouais, ouais. Vous savez, c'est les toutes petites, ça forme de bulbe, ou bien c'est très long, c'est sur les, c'est qui éclaire le plafond. Ouais. Osram, qui travaille, qui réfléchit dans le groupe et tout, ils ont inventé une nouvelle lampe halogène qui consomme 30% d'électricité en moins. En gros, je vous raconte brièvement. Une lampe halogène. Brièvement alors, hein. Il faut que ça soit chaud. Donc le problème, il faut que ça chauffe. Et voilà pourquoi il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est dilapidée, qui s'en va, non pas sous forme de lumière, ce qui nous intéresse, mais sous forme de chaleur. Ils ont mis dans le verre autour de la lampe halogène, de l'ampoule halogène, un verre qui est filtre au, à la chaleur, filtre aux infrarouges. Si bien que la chaleur reste à l'intérieur. Il y a 30% de chaleur en moins, donc 30% de lumière en plus. D'un seul coup, la lampe halogène, qui était quand même une belle lumière assez pratique, qu'on pouvait mettre, il y a des fois où la lampe basse consommation, on peut pas, voilà, là c'est bien ça quand même. Et ben ça fait 30% d'efficacité en plus. D'un seul coup, paf, pas mal, hein. Et qui a trouvé ça? Monsieur Osram. Monsieur Madame Osram. Il est fort, le baron, hein. Ouais. Vraiment, il est bon. Où tu l'achètes, chérie? Où tu l'achètes? Alors maintenant, ça va se trouver partout, dans tous les supermarchés, enfin, tous les, là où vous êtes. Alors là, tu me réponds comme ma fille. Quand elle a un tout joli truc, je dis où t'as trouvé partout. Ça? Elle me dit partout. Ça veut dire nulle part. Moi, je voulais acheter un blue jean. L'autre jour, j'ai dit où est-ce qu'on trouve des blue jeans de telle marque et tel modèle? Partout. C'est-à-dire que je l'ai trouvé. Bon, alors, ça commence à être référencé. L'intérêt du système, c'est que cette petite lampe halogène, attendez, ils l'ont mis sur toutes les pas de vis possibles. Sur les baïonnettes, les gros pas de vis, les petits pas de vis. Ah oui, c'est pas une. Voilà. C'est intéressant. Parce que la vis et la baïonnette. Autre chose. Elles sont pas compatibles. Gros bouquin. AUTRECHOSE. Autre chose. Un gros bouquin, Dominique Pascal, sur Dinky Toys. Et là, je sais que, normalement, quel que soit l'âge de ceux qui, et celles qui nous écoutent, ah oui, les Dinky Toys. C'est totalement la nostalgie. C'est le gros livre qui raconte tout ce qui est, tout ce qui a été la collection de Dinky Toys. Ça raconte l'histoire de la première usine à Bobigny. Moi, j'en avais pas des Dinky Toys. Vous aviez des Nerf parce que vous étiez pauvre? J'avais des Matchbox et des Majorettes. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai une Majorette. Ouais, c'est devenu Majorette après. Moi, je parle pas du bâton et de la robe, hein. Des petites voitures, bon Dieu, merde. Bon, c'est un très beau livre qui raconte tout ce qui, toute la collection de Dinky Toys. Je pense pas qu'il y a Nicky, beaucoup. Dinky Toys. Dinky Toys. Vous avez dit Nicky. Non, Nikita Khrouchtchev et Dinky. Et on y apprend entre autres pourquoi est-ce que c'est au 1/43e. Mais c'est vrai, bon sang. Pourquoi est-ce qu'ils sont amusés à faire du 1/43e? Mais oui, quand même. Mais qu'on fasse échelle 1/2, échelle 1/16, 1/8. Claude comprend pas. Claude comprend rien, pas. Rien. Tu prends un modèle original à l'échelle 1. Et tu veux en faire une maquette, un modèle réduit. Le camion de pompier en vrai, il est 43 fois plus grand que le camion de pompier en miniature. 43 fois. Voilà, 43e, ça veut dire ça. Pourquoi 43? Exactement. Pourquoi un 43e? Bonne question. Beaucoup plus simple de faire un 10e ou un 20e. Bonne question, Père Bonaldi. Répétons. Eh bien. Oui. C'est parce que c'est très très compliqué. Au début, c'était des trains qui faisaient. Et l'écartement des rails des trains en Angleterre, c'est 1m43. Donc c'était plus facile de diviser par 1,43. Oui, mais pourquoi est-ce que les rails faisaient 1m43? C'est parce que 1m43, ça correspond à 4 pieds 8 pouces et demi. Même si j'avais pas sommeil, je m'endormirais. Mais pourquoi est-ce que c'est 4 pieds? Mais pourquoi est-ce alors, il a raison de Kabelichou. C'est nul vos trucs aujourd'hui. Dora l'exploratrice. Oh, oui, surtout que Dinky Toys, on a tous envie de voir ça. Ah, ouais, le bouquin, je sais même pas qui l'offrir, votre bouquin. Mais pas du tout, il nous a sorti de très belles ampoules. Merci. Ah oui, ah bah heureusement. Ah, oui. Si s'il enlevait pas ses chaussettes, on le verrait pas. Non. Benichou, Stevie, Christine Ocret, Jérôme Bonaldi, en l'honneur de vous présenter Jacques Ramas. Et c'est bref. Victoire du PSG. Les joueurs ont gagné une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Johnny Hallyday dit non à la Belgique. Il restera en Suisse pour montrer qu'il est français. Les stewards et hôtesses d'Air France en grève veulent provoquer une manifestation de la rue. Jean-Luc se dit prêt à riposter. Roselyne Bachelot a fait changer la moquette de son bureau. Bernard Laporte ayant dit « Il faut plaquer au sol avant l'introduction, elle se tient prête à toute éventualité. »
Olivier Besancenot a dit non à Guy Moquet. Sa tournée étant terminée, il a refusé de prendre une lettre supplémentaire. Ah là là, quelle aventure. Faillite au Front National. Rien n'est à vendre, mais tout est acheté. Il y a trop d'encombrement dans leur quartier. Les Parisiens habitant rue de Grenelle se plaignent de leur environnement. Ils demandent l'ouverture d'un Grenelle de Grenelle. Ça, c'est joli. Le Tour de France 2008 partira le 5 juillet. Les coureurs non dopés partiront le 4. Fabrice Lucchini va jouer le mime Marceau au cinéma. Il sera doublé quand il devra se taire. Vous voulez une chanson ? La chanson ! La chanson ! D'accord. Alors, il y a un front au gouvernement. Il faut que je mette en route ma rythmique. Non, je tape. Si c'est pas mon pied qui démarre, je peux pas chanter. C'est Stevie qui va prendre des coups. Voilà. Il y a un froid. Pour Sarkozy, tout devient triste. Il y a un froid. Car derrière lui, on ne suit pas. Et l'on voit l'UMP comme les grévistes qui rouspètent tous à la fois. Sainte Cécilia n'est plus là, mais comme elle est franche, elle votera pour Nicolas la prochaine fois. Mais pour ça, il ne faut pas qu'une angine blanche comme chez Bush lui brise la voix. Ça. Notre président ne pense plus au rugby. L'absence de médaille, ça l'a laissé groggy. Composer le 15 pour lui, c'est devenu faire un numéro pour avoir le SAMU. Pourtant, Sarkozy continue l'ouverture. Il s'adresse à ceux comme lui en rupture. À François Hollande, pourtant d'opposition, il a demandé comment coudre un bouton. Il y a un froid. Sarkozy a l'air d'être en deuil. Il s'en va. Saluer les grands d'ici-bas, il faudra qu'un jour il passe par Argenteuil, alors la tour repartira. Boum. Bis. L'OGM, OGM, en devenant réglementé. OGM, OGM, vous avez tué José Bové. C'est bien, on termine en chanson aujourd'hui. Stevie va aller répéter. Pierre Bénichoux va terminer sa petite sieste. Quant à Jérôme Bonaldi, il part en couple avec Christine O'Krent comme chaque lundi. Hein. Ah bon ? Ah oui, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais quand même. Le mieux, c'est de ne rien dire. C'est merveilleux, c'est merveilleux parce qu'ils ont eu tous les deux, ils ont tous les deux Rosy et ils se sont regardés. On leur a donné l'idée. C'est pas que... Non, mais c'est pas que Christine soit intéressée par Jérôme Bonaldi, oh, mais. Bah, t'as moi. Mais c'est les petits crayons de Doradol, l'exploratrice, qu'elle veut récupérer. Non, ça c'est pour Stevie, parce qu'il a colorié les étoiles en jaune sur son dessin. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.